une vidéo, un film sur un thème. Nuit blanche. Alors de suite, j'ai pensé à des images, j'ai pensé à filmer en extérieur, nuit. J'ai pensé à même à une animation graphique. J'ai pensé à une histoire sentimentale, un petit peu philosophique. Comment fait-on le choix entre l'amour humain, l'amour physique, l'amour spirituel? Y a de quoi passer des nuits blanches. Parce que l'outil vidéo, c'est d'abord pour montrer des images, alors montrer sa propre tête. Pour raconter l'histoire d'une nuit blanche, ça paraît absolument dénué d'intérêt. En même temps, comment puis-je montrer ma tête qui parle autrement qu'avec une vidéo? Une tête de quelqu'un qui a passé une nuit blanche, avec des cheveux gris-blancs, sous un tableau qui parle qui parle. Est-ce qu'un tableau parle? Voilà, c'est toute la question. Est-ce que je peux montrer ma tête autrement que comme ça dans une vidéo? Après tout, c'est un intérieur nuit. Que je montre ma tête, un arbre ou un tableau, quelle importance sur l'objet partiel? Parce que nuit blanche, ce qui est très intéressant, c'est d'associer les deux mots. C'est banal, a priori. Nuit blanche, quoi de plus banal? Pas pour les mêmes raisons, forcément, quand on est jeune ou quand on vieillit. Pas avoir des nuits blanches d'angoisse, d'inquiétude, des nuits blanches de passion physique extrême, des nuits blanches d'insomnie, de détresse. Mais un film qui porte la nuit blanche. Un film qui porte ce thème-là. Mais la nuit blanche, ça peut être aussi ben, l'absence, le manque, la solitude. Ce qui nuit. Ce qui nuit au bonheur, ce qui nuit à la joie, ce qui nuit à la force vitale. Ce qui nuit est blanc. Mais montrer le blanc et ce qui nuit de la nuit dans une vidéo où je montre ma tête et de quoi passer des nuits blanches. Alors il y a plusieurs façons de faire. Il y a propos premier qui est en fait celui de l'improvisation. Rien n'est préparé, il n'y a pas de board, de tableau avec les différents plans, où il n'y a absolument rien de prémédité, un plan fixe avec un téléphone, la vidéo d'un téléphone, ma main qui tient le téléphone, un plan fixe, pas très équilibré d'ailleurs le plan fixe, mais qui montre juste une tête de quelqu'un décalqué comme après une nuit blanche. Ça ne peut pas faire tout le film non plus. C'est le propos introductif. Le propos introductif va aussi avec l'introduction du propos qui est l'improvisation, en réalité. Parce que pour improviser, que ce soit en musique, en théâtre, en film, que ce soit le média, médium.
Il faut être dans un état un petit peu comme d'une nuit blanche, en même temps dans une concentration qui fait que on est à ce que l'on est en train de faire, mais en même temps totalement relâché, comme après une nuit blanche, comme si on n'avait pas dormi. Donc c'est la nuit blanche de l'improvisation, en réalité, ce dont il est question. Alors, ce début de texte, ce début de vidéo, ce début avec ma tête, introduit cette improvisation. Peut-être y aura-t-il de la musique. Il y a déjà une dimension graphique. Parce que faire un film, ça peut être aussi faire un film, mais pas seulement un film, montrer aussi dans le film d'autres moyens artistiques que le film. Je me filme, mais je parle, je me mets en scène, je fais l'acteur. Très mauvais acteur, mais bon, un petit peu solitaire. Je montre ce que je peins, je peux montrer l'improvisation. La musique, le tout, c'est que cette improvisation-là, elle exprime ce qu'est une nuit blanche. C'est ça l'objet. On peut passer des nuits blanches à se dire quel est donc l'objet partiel décrit par Lacan, après Freud. Quelle est donc cette chose? Elle est dans le tableau. Elle est dans toute activité artistique. Et le fait de multiplier ces objets partiels, les mettre les uns à côté des autres, et les mettre en même temps, la même chose, pour en fait montrer cette improvisation, cet instant volé au film. Juxtaposé. Qu'est-ce que cela pourrait bien donner? Je ne sais pas, parce que je ne sais même pas la fin de ce que je suis en train de commencer. Mais il y a le minuteur qui est en train de dégrainer les minutes. 7 minutes 20 maintenant. Le temps passe très vite à improviser. Et dans la nuit blanche qui va suivre, quelques dizaines de minutes qui restent encore, il y aura sûrement d'autres objets partiels de nuit blanche. Voilà, c'est ça le propos, c'est que la nuit blanche parle toujours d'objets partiels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est très difficile de saisir entièrement ce que nous sommes, de saisir entièrement ce que sont les autres, même les personnes aimées avec qui on peut passer une nuit blanche. On a toujours une nuit blanche sur un objet partiel. Il va falloir que je décline cette chose-là en dehors de ma tête, dont je vais me séparer momentanément, pour montrer d'abord ce tableau qui montre l'amour, le désir. Et qu'est-ce qui provoque ce désir lorsque l'on désire qu'on est amoureux? Est-ce que c'est toute la personne que l'on aime? Ou qu'on arrive à aimer, ou en tout cas au tout début de ce désir-là, de ce tourment de nuit blanche. Qu'est-ce qui provoque ce tourment amoureux? Thank you.
Cet homme masqué semble s'acharner sur cet étudiant bloqué derrière la grille d'entrée. Dans la nuit de jeudi à vendredi, une dizaine de personnes armées de bâtons pénètrent dans cet amphithéâtre de la fac de droit pour déloger la cinquantaine d'étudiants qui l'occupent. Il y a une camarade qui s'est fait tabasser au sol, qui a reçu un coup de taser. C'était des chaussures. Une attaque super bien organisée, une attaque éclair. Qui avait. L'objet partiel des nuits blanches, ça peut aussi être l'argile, la sculpture, la terre. Donc il y a la voix, l'image, la terre. La terre et la violence. En même temps que nuit blanche est passée à sculpter les nouvelles égrènent les violences nouvelles de la journée. Insensé. Insensé moment de nuit blanche où les objets partiels se superposent les uns aux autres pour donner à l'issue de ces quelques minutes de son, d'image, de création, un objet partiel qui contient toute l'émotionnel, toute l'émotion de tout ce qui s'est passé entre le début et la fin de la création, pas simplement la pensée, la volonté de faire. Mais également tout ce qui a traversé la réalité de cet instant. Il y a à la fois le passé, le présent et l'avenir. Parce qu'une nuit blanche, c'est un instant de vie qui réunit à la fois le passé, le présent, l'avenir. Un petit peu de lecture. Victor Hugo, Les Contemplations. En marche. Rien au fond de mon cœur, puisqu'il faut le redire. Non, rien n'a varié. Je suis toujours celui qui va droit au devoir. Dès que l'on une vidéo. Un film sur un thème. Nuit blanche. Alors de suite j'ai pensé à des images, j'ai pensé à filmer en extérieur nuit. J'ai pensé à même à une animation. Philosophique, comment fait-on le choix entre l'amour humain, l'amour physique, l'amour spirituel,
Parce que l'outil vidéo, c'est d'abord pour montrer des images, alors montrer sa propre tête.